Et bien sûr tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War et nous en sommes à l'épisode 11. On a déjà assez perdu de temps pour ne rien vous cacher, hier j'ai eu un petit imprévu, un mal de crâne qui m'a pris toute la journée et la moitié de la nuit parce que j'avais pas voulu prendre spécialement de Doliprane ou d'Aspegic, ce que vous voulez. Et donc je l'ai laissé traîner et ça s'est empiré, je pensais que ça allait passer tout seul. Sur le coup j'ai été trompé, j'ai été biaisé les amis et ça fait mal, on fera donc un tour du lac quand on y reviendra parce qu'on a déjà perdu assez de temps. Il est temps donc de continuer. Regarde, notre incroyable histoire. La magie de la sorcière recouvre encore les poteaux d'infamie, on va gagner du temps. Et maintenant que nous avons la lumière, on va pouvoir justement normalement passer à travers la brume noire qui bloquait le chemin de la montagne. Donc c'est bon, on va pouvoir gagner du temps comme il disait. Néanmoins, il faut que j'arrive à trouver un cristal et il est ici. Pas de souci là-dessus. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Demain, vous aurez un nouvel épisode de God of War et un nouvel épisode de Far Cry. C'est la famille, je régale. C'est normal, je sais que vous êtes nombreux à vouloir du Far Cry tous les jours, d'autres à vouloir du God of War tous les jours, mais je ne peux pas faire ça tous les jours de vidéo, c'est beaucoup trop. Surtout qu'encore une fois, je suis le seul qui fasse Atreus, du 2K, par donc ici. Respirez un peu, tout va bien se passer. Parfait. Et demain vous aurez du Far Cry. J'ajoute ça dans mon journal. Allez, ça c'est fait. Bon, il a mis dans le journal, on ne sait pas spécialement ce que ça veut dire pour autant. Par contre, chose qui peut être très intéressant, j'ai augmenté mes connaissances, hein, si jamais. Quelque chose qui... Alors ça, on ne peut rien y faire. Ça, on est d'accord que jusqu'ici, on est condamné à le regarder, cette plante qui... Ah, c'est la magie de la sorcière. Bah oui, mais il l'a dit Atreus. Je n'écoute pas mon fils, hein, parce qu'il dit tellement de conneries, ce petit con. C'était la magie de la sorcière qui est restée. Donc, ces plantes, parce que normalement, c'est du poison. On va pouvoir foncer direction la suite, aucun souci. Atreus, reste accroché. C'est vraiment stylé, ils ont vraiment pensé à tout. C'est toujours aussi incroyable. Allez, c'est parti, on y est presque. C'est juste en face normalement. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est vrai qu'il y avait un nain. Alors ? Alors ? Êtes-vous allé dans la réserve de Fafnir ? Non, bah attends, mon frérot, attends. Ça, c'est les quêtes, secondaires. On ira. Vous m'avez dit des choses très intéressantes de vendre ce que je n'utilisais point. Donc clairement, on va le faire parce qu'apparemment ça rapporte un maximum d'argent et un maximum de plaisir. J'ai peur d'avoir fait une bêtise. Même de la poussière enchantée. Et ça c'est plutôt cool. Ah, c'est les artefacts, voilà, c'est les artefacts qu'il faut vendre. On vend tout, on vend tout. Ça me régale, hein, niveau argent. Ça, ça ne sert à rien apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. 14 000, d'où Jésus ? Oh, je suis très très bien. Attendez, bougez pas. On va se régaler. Manche de guerre léger, c'est pas mal ça pour 7500. Je crois pour savoir se faire plaisir dans la vie. Ok, c'est équipé. Aucun souci. Pourquoi pas améliorer ça par exemple, ça coûte 5000 seulement. Réduit le temps de chargement des flèches. Ça coûte que 5000, ça vaut le coup. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger comme on dit. Donc le carquoisser, ça c'est fait. Et talisman, on peut même améliorer. Ok, très bien. On peut même améliorer. On peut faire beaucoup de choses. Merci à tous, hein, comme quoi j'ai bien lu vos commentaires. Merci à tous ceux qui m'ont conseillé de vendre les artefacts. Par contre, j'ai peut-être fait une bêtise en vendant du Jésus. Allez, ça, ça dégage. Allez, ça dégage. J'ai eu chaud. C'est bon. On prend un petit peu de vie. Bah alors, qu'est-ce que c'est que cet embrouille, les gars? Depuis quand il y a des loupins ici? C'était pas ici, on peut repasser par là je pense. Je pense même que c'est un raccourci étant donné qu'elle a réparé l'ascenseur. Vas-y viens Atreus, on y va, on retourne directement à la montagne. Ça on l'a déjà fait. Ok, ça fonctionne. Et d'ailleurs la sorcière n'est pas là. Ça m'inquiète fortement, j'aimerais bien la revoir. Et encore une fois, souvenez-vous qu'on avait vu une fresque qui parlait d'une sorcière bien puissante. Que je pourrais la porter maintenant? Non. Mais... J'ai dit non. D'accord. Fais un effort, Atreus. Fais un effort, Atreus. Maximus Decimus. Né d'une mère assassinée. Ça va pas le faire, là. Ok, on va passer par le seul chemin possible, peut-être. Allez, on y est. On va voir ce qu'il y a. Je pense qu'ils vont clairement nous dire d'aller dans un autre royaume. Tu as sculpté le visage sur la montagne. C'est moi qui devrais te poser cette question. Merci. Regarde où tu marches. La moindre imprudence pourrait nous ralentir.
Je sens... Nous revoilà bloqués par le souffle noir. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir si la sorcière disait vrai. On va tomber face à un autre problème, je pense, non ? Cette montagne... Ok. Ça marche ! Elle avait raison ! Viens, il est temps d'en finir. Ouais. Je rappelle que c'est pour emmener les cendres, bien évidemment, de ma femme en haut de cette montagne. Parce qu'elle y tenait. Elle est chiante, ma femme. Elle est très très chiante. Hein. Elle voulait pas que ses cendres soient jetées dans la mer comme n'importe qui, bordel! Il suffit d'aller tout droit, hein, les gars. Hein. Mais d'où vient cette source, en fait, de brume obscure, si je puis l'appeler ainsi? Ça, c'est une des questions redoutables. À part que ça vient du nez d'une statue gravée dans la montagne. Musique épique, c'est que ça va partir en couille très très vite. D'ailleurs, qu'est-ce que fait cette brume, finalement, quand on va dedans? Je serais curieux. Je serais curieux de savoir. Ok, c'est bon, on y est. D'accord. Le chemin, il est bloqué. Nous allons grimper. La lumière d'Alfheim. Très bien, grimper la montagne. On va le faire de ce pas. Alors, on y va. C'est pas du tout ce qu'il va y avoir là-dessus. Je pose encore pas mal de questions. Et je me posais aussi une question. Mais je préfère pas vous le dire maintenant parce que j'ai peut-être raison. Et si j'ai raison, ça vous spoilerait un petit peu. C'est par rapport au début du jeu un truc qui s'est passé. Maman disait que les géants venaient souvent dans les montagnes de Midgard avant de disparaître. De disparaître ? Oui, apparemment un jour ils sont tous partis. Personne sait pourquoi. Peut-être sont-ils rentrés chez eux. À Jotunheim ? Peut-être. Je me demande si ça pourrait être le visage d'un géant important. D'accord. Bon. On va pouvoir passer par ici. Ah, il reste encore de la brume, forcément. On est presque en haut de cette montagne. La bouche, on a réussi. Encore le souffle noir. On est reparti. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'ennemis là-dedans. J'espère juste que cette phase va pas être trop trop longue. On me dit 50 mètres tout en haut dans la boussole. Comme disait Maître Gims, ça sent la douille. Même symbole de celui sur la porte qui mène à Yotunheim dans le temple de Tyr. Les géants sont bienvenus ici. Ok, on s'est débarrassé, ça c'est cool. Il y aura plus à faire. Est-ce que c'est un cerf ? J'ai pas de souvenir d'histoire avec un géant à tête de cerf. Je me demande qui c'est. Alors, si je fais ça... Le sol, Atreus. Ça veut rien dire. Il manque quelque chose. Ah. Il y a peut-être un autre cristal lumineux. D'accord. Rien. D'accord. Il faut que je trouve une pierre pour la mettre ici et combler, bien évidemment, le trou, n'est-ce pas ? Bon. Eh ben, on va le faire de ce pas, hein. On va le faire de ce pas. Ah, on a un beau coffre en plus en face, ça va ouvrir le chemin. Que dit-elle ? Bête sous le joug, ilote enchaîné ou arbre enraciné, nul ne répond à mon appel. D'accord, bon. On va chercher... La pierre qu'il manque. Allez, c'est parti ! Waouh ! Allez, ça dégage ! Je vous avoue avoir eu peur un petit peu, j'étais pas prêt à ça. Il y a des petits moments de frayeur hein, quand même des fois dans le genre. Oh GG ça, Atreus ! Il l'a fait avec style. Putain qu'il l'a fait avec style celui-là. Ici y a rien. Il y avait un petit saut. Mais je l'ai fait juste avant le feu. Oh, doux Jésus. Mais là, je ne peux rien faire contre ça. Est-ce que c'est de la sève dans une grotte ? Bizarre. Quelque chose me dit que ça sent pas bon. On a quelque chose à faire ici. Alors attendez, bougez pas. On va récupérer cette petite pierre. Je peux pas la casser en deux, genre. Ça serait énorme. On va la poser ici. Là, les gars, Ok. J'essaye de comprendre quelque chose. Il me manque une pierre. Ça, je prends. C'est de la thune, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Il me manque une pierre. Ici, on ne peut rien faire.
Il y a quand même un petit trou. Très étrange là-dedans. J'ai bien l'impression que j'ai pas... Suis-moi, Atreus. Je te suis. J'ai pas tous les outils à disposition. Ça a pas l'air de marcher. Ah, je la vois en plus, la pierre. Je la vois, cette pierre. Alors là... Ah, yes. Oh la vache. Très bien, il y en a une autre ici. Pas évident, bien joué les gars. Cet endroit devait être très important aux yeux des géants. On dirait qu'ils nous testent. Ok, bon, ça c'est fait. Ah, fallait regarder, hein. Fallait regarder. C'est vrai qu'après, bon... Oui. J'ai été explorateur-observateur depuis quelques années. Allez, calme-toi Harry Potter, on y va. C'est parti. Atreus, prépare-toi à lire, frérot. C'est la réponse. Liberté. Mais oui, c'est ça. Vas-y. D'accord. Enlève ça. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bon, on peut passer. Ok. Ah, je vous avais dit que c'était étrange. Le test des géants n'est pas terminé. Ah, d'accord, ok. C'est des épreuves. C'est des épreuves de test. Très bien. On va ouvrir tout ça. Il y a un cristal dans le porte-flambeau. Il va y avoir donc plusieurs épreuves. C'est mieux, non? Ouais, c'est pas mal du tout, ça me plaît bien ça. Ça en casse au cas où ça se réveille. Ça, toujours bon à prendre. Il faut descendre avant de monter, on dirait. D'accord. Ces passages paraissent bien petits pour des géants. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, tu es sérieux? Je suis toujours sérieux. J'avais oublié. Maman disait toujours que tu t'intéressais pas à l'histoire. Les géants sont une race comme les elfes et les humains. Ça veut pas dire qu'ils sont grands. Et le serpent monde, alors? C'est vrai, dans son cas, géant veut aussi dire grand. Mais il y en a qu'un comme lui. Ok. On a donc quelques ennemis à gauche, à droite. Ah, on a un coffre. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a une lettre. Ça, c'est beau jeu. Si on arrive à choper un petit coffre, là, dans cet épisode, ça fait plaisir. Les revenants sont tenaces. Pas toi. Ok. Ok. Deux. Trois. Ah, ça c'est beau ça. Ok. Je m'en sors tellement bien là. Ok, elle a l'air de s'énerver. Allez, ça dégage. Ça dégage. Énervé ou pas énervé, j'ai rien à foutre, c'est pas un problème. 2400 balles! C'est incroyable! Ok, ça je prends. On a une lettre. Oh là là, d'où Jésus, ça c'est bien ça. Hein. Ça c'est une belle lettre qu'on a là. On a une pierre aussi là-haut. On a des sceaux là-haut. Très bien. On va les faire évidemment. Allez, là va falloir vraiment tout observer parce que c'est terrible tout ce qu'on a. Regardez bien. Argent, argent, argent. Il y a beaucoup d'argent tout ça. Ok, ok. Alors déjà, avant d'essayer de changer la lettre, ça serait bien de trouver le coffre. Si vous voulez mon avis, je ne pense pas qu'une lettre par défaut soit bonne. Donc on va le tourner une fois. Hop, on n'a rien à y perdre. Il faut trouver le coffre maintenant. Et là, ça va être une autre paire. Il ne doit pas forcément... être loin, mais il faut le trouver. Aïe, c'est pas ça. Ok, ici on a une sorte d'eau source chaude peut-être, je connais bien. Très bien, on va pouvoir partir. On a des cordes, on a un pont, on a un truc ici. Voilà, les yeux d'Odin, forcément. En gros, c'est pour dire qu'il a les yeux partout.
Donc, au moment où on parle, je suppose qu'il nous observe, notre cher Odin. Alors, il faut aller là-haut, mais alors comment on peut y aller? C'est une nouvelle question qu'on se pose là. Très rapidement. Attendez, laissez-moi observer. Là, on a une corde, c'est ça qui me chagrine, si je puis me permettre l'expression. Ah, on a aussi une lettre ici. Okay. On va voir, voilà, on va changer. On en a une ici, très bien. Par où devons-nous passer ? Ah ! Ouais, ça ira jamais jusque là-haut. Oh si ! Oh, du génie ! Ok, bon, ça règle pas notre problème, très clairement. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Oh là là, mais je suis vraiment... Mais... Je suis totalement aveugle, c'est terrible ! Ok. Tiens, n'hésite pas. Oh, ça c'est tellement beau. Allez. Ça dégage. Très bien joué de ma part, assez fier. Ok. C'est bon. Allez. C'est bon, j'ai la dernière lettre en plus. Oh là 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 là, ça me fait plaisir. Ok, ça me fait plaisir. Et allez. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. C'est comme ça que je l'ai fait. Telle est la vie que j'ai choisie. Bon, faut vraiment que j'arrive à trouver ce coffre, hein, d'accord. Ça, on casse. Oh là là, c'est tellement bien fait. On a des... Ça, on prend une sorte de calice. On va garder ça. À la vôtre, à la tienne. D'accord, c'était juste un petit passage secret. Ça, voilà. Faut vraiment réussir à trouver ce coffre. Oh, c'est un très bel enchaînement là. On a fait un combo de 6, ça me plaît. Voilà. Ah non, les petites bêtes du début, elles sont un peu plus féroces, hein. Ok, je pense, on va fouiller chaque centimètre, hein, vraiment. Mais je pense que ce chemin mène au coffre. Arrêtez-moi si je me trompe. Et je ne me trompe pas, il est déjà ouvert. Je suis un monstre. Je suis totalement nul à chier. Le coffre est scellé. Bah oui, forcément. Bah oui. Bon, allez, un petit effort. Attends, lance les coups de ma gueule. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est? On voit rien, je ne comprends pas. Là, ça fait une lettre. Ah, d'accord. B, M, R. Très bien. B, M. Et non N. Non, ça, c'est le B. Et l'autre, il était tout en bas. Il était là. Donc ça, c'est pas bon. Non. M. On est bon. Normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Aucun problème. C'est écrit sur le mur. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pour... je ne sais pas. C'est une corne, c'est pour la rage. 1 sur 3. Que vous dire de plus? D'autre que Sartek, comme on dit dans le milieu, évidemment. Ok, est-ce que c'est par ici? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. On va voir ça très vite. Il n'y a rien allumé à distance. On va pouvoir partir.
Mais il y a aussi derrière, je pense qu'il va falloir trimballer une pierre. Ah bah non, mais elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Mais où est le chemin? À droite ou à gauche? Telle est la question qu'on se pose. J'arrive, Atreus. Si ça se trouve, à gauche, c'est juste un petit passage. Il faudra ramener la pierre à droite. Et dans ces cas-là, ça sera un aller-retour assez fatal, bien évidemment, pour le joueur franco-hongrois, thaïlando, malgache. Mais on essaye quand même. Sur un malentendu, c'est pour les connaissances, c'est pour la science. Et on adore. Regarde, oui. Derrière toi! Hein, pardon? Oh, Jésus, qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Allez, ça dégage. Allez, hein. On dirait un shooter un peu où faut éviter de gauche à droite. Allez, ça dégage. Aucun problème. Don de force. Quoi? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai gagné de la force à coup là? Avec un compte à rebours. Atreus, par ici. Viens. Allez, embarque-moi ça. Ça, c'est fait. Parfait. J'ajoute ça dans mon journal. Voilà, c'est bien Atreus, fier de toi mon fils. T'écris très très vite hein, par contre, hein. Ça on appréciera. Là je suppose que je peux descendre par ici. Les amis, quelque chose me dit que ça là, falloir le récupérer et le garder. J'en suis bizarrement, étrangement quasi persuadé. Donc on va le ramener là-haut le bordel. Est-ce que d'ailleurs... Y'a beaucoup de drogueurs ici. Voilà, on dirait que c'est parti. J'aurais dû l'arracher celui-là. Allez. C'est pas grave, c'est pas un souci. Je me suis protégé à temps. C'était tellement évident. On dirait même que c'est la lumière, la pierre qui les anime. Mais vu qu'elle est allumée, cette pierre, bah, je peux rien en faire de plus pour l'instant. Va falloir le ramener en bas. Je pense que j'ai tué quasi tout le monde. Ou du moins toutes les statues. Maintenant, que faire? Attends, on va aller là-haut peut-être avant de le ramener la pierre. Beaucoup plus rapide. Je pense qu'il faut amener la pierre là-haut, mais on sait jamais. On va voir ce qu'il y a. Ah non. Ok. Il y avait autre chose à faire alors, attendez. Oh, regarde tous ces corps. Ah, il y avait autre chose à faire derrière, je pense. Hein. Quoi? C'est une toile d'araignée. Dis-moi ce que tu vois. Eh bien, on dirait des hommes, pas des géants. Exact. Des voleurs en quête de trésors, tu vois les pièges? Ah oui, heureusement pour nous, ils les ont tous déclenchés. Heureusement, ceux-là sont bien morts. Ok... Donc des humains ont quand même réussi à aller jusqu'ici. Oh la vache! Ah, faut pas m'énerver, hein! La statue! On est arrivé! Ok! Attends, calme-toi. Tu peux les lire. Oh, c'est Durathror, un des quatre serfs de l'Arbre-Monde. Il est censé garder l'entrée de Jotunheim pendant que les géants dorment. Tu crois qu'il est encore là? Je ne sais pas. D'accord, j'ai réussi à faire une pierre, donc là on est en bas du cerf. On a un petit coffre, enfin un petit coffre. Voilà, un bon coffre, hein, on va dire. On prend, ça c'est fait, qu'est-ce qu'on a là? Un des quatre serfs censé garder l'entrée. Ça voudra dire qu'il faudra revenir parce qu'il y aura un deuxième cerf, évidemment. Mais oui, c'est clair! Allez, on va ouvrir cette porte! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelqu'un de pas gentil? Ah! Allez, ça dégage. Allume-moi ça, fils, parce que là, niveau vie, ça craint un peu. Ok. Là, y a rien à faire. Et là, on prend de ce pas. Oh, Jésus. Allez, ça dégage. Allez, pas un problème. Notre but est toujours le pic. Cherchons un accès. Bon.
toujours aller au sommet de cette plus haute montagne. Est-ce que ça, par hasard, je peux m'en débarrasser? Ça n'a pas resté encore la drôle de Sam. Je crois qu'on est de l'autre côté. D'accord, j'aurais pu... Je peux du moins ramener une pierre ici. Donc à mon avis, il va falloir le faire. Pas de soucis, on va le faire. Mais alors, pour la trouver, parce que j'en trouve pas ici, là. Ah, je peux peut-être emmener mon fils là-haut. Je vais devoir l'emmener là-haut, le faire tomber. Waouh, le plus haut pic des royaumes. Tu crois que Mère savait que c'était la montagne des géants? Non. Sa requête s'est révélée plus compliquée qu'elle aurait pu le prévoir. Ah, on a quelque chose. C'est un nom, je crois. Raezlir. Ça veut dire terreur. D'accord, très sympa. J'adore. Qu'est-ce que c'est? Bizarre. C'est une bougie entièrement entourée de cordes et d'une espèce de peau de bête. Une sorte de lanterne. Y a pas de mèche. On n'en a pas l'utilité. Le Bifrost éclaire la voie. Qui a allumé ces torches d'après toi? Les morts n'ont pas besoin de lumière. Ouvre l'œil. Non. Attends, doucement. C'est juste pour créer des raccourcis. Info sûre, va falloir sortir d'ici et revenir tantôt. Oh. Ça, j'y vais. Hein. Ça, par contre, on y va. Il y a un petit coffre caché juste derrière du décor. Intelligent aussi. Hop, ça dégage. Hein. Ça, c'est dans la poche à Bibi. Très bien, argent 1000. Oh, arrête. C'est bon, c'était juste. D'accord. Voilà, c'était chiant. Hein. Fils, arrête très vite. Allez, on va ouvrir cette porte. Ah! Tiens donc. Zone découverte. Cœur de la montagne. C'est quoi tout ça? Où on est? Dans une mine. Et si cette pince atteint le sommet, on touche au but. Et on va... s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour les mines. Nous voici donc au cœur de la montagne. À très vite tout le monde. Ciao.